Faire un voyage dans le passé, revivre l'histoire. Ce rêve, je l'ai souvent fait. Aujourd'hui, je vais le réaliser. La surprise provoquée par ce périple hors du commun est à la mesure de la passion débordante des fous d'histoire qui ont accepté de relever notre défi. Merci. Pendant 3 jours, je serai immergé dans un environnement entièrement reconstitué, au plus près des dernières découvertes historiques. Je vais vivre l'existence quotidienne de nos ancêtres. Ignorant tout du monde dans lequel je pénètre, je serai accompagné par un journaliste, docteur en histoire, Serge Tinière. Serge sera mon mentor, mon recours tout au long de cette formidable aventure, le seul capable de m'éclairer sur un univers pour le moins différent. Serge. Arnaud. Je suis content de vous retrouver parce que je me suis un peu perdu. Je marche depuis un moment et je ne sais pas où nous sommes. Nous sommes en Belgique. En Belgique? Oui, à quelques 50 km au sud de Bruxelles. Ah bon? Et vous ne me demandez pas à quelle date nous sommes? Non, parce que ça, j'ai un indice. En fait, en m'habillant, j'ai découvert ce document daté de juin 1815. C'est une feuille de route. Vous devez rejoindre votre cantonnement, vous êtes appelé sous les drapeaux. Mais juin 1815... Si je ne m'abuse, c'est la fin de la période des 100 jours. Exactement. Au mois de mars de cette année 1815, Napoléon s'est échappé de l'île d'Elbe. Il a remonté le Rhône avec seulement 1200 soldats et 4 canons. Il a rallié à lui toutes les forces armées de Louis XVIII, qui d'ailleurs est en fuite. Les Français étaient très lassés de la restauration de l'Ancien Régime, de toutes les manières. Et c'est cette fameuse phrase, l'aigle vole de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Tout à fait, mais l'aigle est arrivé à Paris et il a déjà une coalition sur le dos, composée par la Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, en fait. Pratiquement toute l'Europe. Oui, ce sont ses ennemis traditionnels, on va dire. Les Français se battent à 1 contre 4, mais ils gagnent. Ils gagnent à Ligny, en Belgique, et à 4 bras, le 16 juin 1815. Quel jour sommes-nous exactement? Le 16. Ah, le 16. Mais attendez... Le 16, le 18 juin 1815, c'est une date que je connais, enfin, c'est bien la bataille de Waterloo. Tout à fait, la bataille de Waterloo. Dans 2 jours. Oui, dans 2 jours. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de rejoindre votre cantonnement. Vous allez intégrer le 8e régiment d'infanterie de ligne et... Je sais pas si je suis prêt à faire la guerre. Bah écoutez, vous verrez. Bon. Vous verrez, vivre la vie d'un conscrit. En 1815, c'est une opportunité qu'on vous donne. Moi, je vais rester un petit peu par ici, j'ai des affaires à régler, mais on se retrouvera là-bas. Bon, ben, je vais continuer à marcher. Et j'espère vous retrouver, alors. Courage, Arnaud. Merci, je vais en avoir besoin. Me voilà donc en route pour vivre l'existence d'un soldat de l'armée napoléonienne. Je découvre ce paysage gorgé d'eau par des pluies torrentielles. J'ai de la peine à croire que ces vallons, ces bois et ces champs de blé ne seront bientôt plus qu'un terrible champ de bataille. Pourtant, 100 000 Prussiens dirigés par le général Blücher cantonnent à Namur. 93 000 Hollandais et Britanniques, commandés par le duc de Wellington, campent autour de Bruxelles. Depuis la fin du mois de mars, Napoléon, à la tête de 125 000 hommes, a marché sur la Belgique. L'empereur veut surprendre ses deux ennemis et les battre séparément. Le 15 juin, dans la matinée, les premiers éléments de tête de l'armée française ont franchi la Sambre à Charleroi. Le lendemain, 16 juin, on se bat près des villages de Ligny et de Quatre-Bras. Si les Anglais se replient sans encombre sur le mont Saint-Jean au sud de Bruxelles, les Prussiens semblent en déroute. Demain, 17 juin, 30 000 Français commandés par le maréchal Emmanuel de Grouchy vont devoir les poursuivre. Les routes sont détrempées et l'armée française est encore à une vingtaine de kilomètres d'un tout petit village belge, Waterloo. Thank you.
Allez, c'est reparti. Après une courte nuit, une rumeur étouffée me réveille. Des roulements de tambour. Je ne dois pas être très loin. Je découvre enfin un bivouac le long de la route menant vers Bruxelles. Les hommes de ce régiment ont eu le temps de monter de petites tentes. Grenadier Moustache. Grenadier La Prusse. J'ai de la chance, car la grande majorité des soldats de Napoléon dort généralement à la Belle Étoile. Toute l'Europe semble dressée contre ces hommes. Ils se battent parfois à 1 contre 10. Même si je suis en retard, l'empereur a bien besoin de nouvelles recrues pour compenser les pertes. Bonjour. Bonjour. Arnaud de Passage. Caporal Vadan, je suis nommé La Gaule. La Gaule ? Oui, La Gaule. Voici ma feuille de route. Oui, j'ai vu. Dans quel régiment sommes-nous ? 8e de ligne. C'est marqué sur ta feuille de route. Et il s'agit de quelle arme ? L'infanterie. T'es incorporé à la compagnie de grenadiers. Félicitations. Suis-moi, on va t'équiper. Sergent. Caporal. Un nouveau Jean-Jean. Ah, emmène-toi. Voici ma feuille de route. Ouais, merci. Ton nom ? Arnaud. Arnaud de Passage. Arnaud de Passage. Et tu viens d'où, de Passage ? Je viens de Paris. De Paris. Dis donc, t'as l'air d'être un bon bourgeois, toi, hein ? Oui. Ah bah oui, quand même. Bah, je suis surtout mouillé. T'es mouillé, mais t'inquiète pas, on va t'arranger ça. T'as un peu d'instruction ? Tu sais lire, écrire ? Bien sûr. Oui. Gauche, droite, tu connais ? Évidemment, oui, ma gauche et ma droite. Bah, ça me semble parfait, ça. T'arrives un petit peu tard, hein ? Ah, je suis désolé. Bah oui, on s'est déjà battu ici. Mais enfin, c'est pas terminé, encore l'anglais, là-bas. Écoute... On va t'appeler mieux vaut tard. Tu vas voir ton caporal, tu prends tes effets et tu te dépêches d'aller dans la cour. Caporal. Merci. Bonjour. Bonjour. Donnez-moi un habit pour l'homme. Un gilet. Son havresac. Bonnet de police. Son sabre et sa giberne. N'oubliez rien et prestement. Je dois signer quelque part ? Non, du tout. Tu récupères simplement ton carnet militaire. Caporal, vous le compléterez pour l'homme. Bien, caporal. Caporal. Récupère tes affaires et tu peux y aller. Ah oui, je vais te charger, là. Oui. Il n'y a pas de vêtements de pluie ? Des vêtements de pluie ? Bah non, tu te crois où, ici ? Il pleut, il a plu beaucoup. T'as un habit, estime-toi heureux. On essaiera de te récupérer une capote sur un cadavre. C'est pas ce qui manque, ici. Ça, c'est un habit de grenadier, tu en prends soin. Tu ne le laves jamais. Tu le brosses. Il y a un martinet par escouade. Quand tu as besoin de le secouer, tu viens me voir, je te prête le martinet. Ça sert aussi à enlever la vermine, parce que tu vas avoir de la garnison très vite. Au bout de 3-4 jours, tu auras des poux et tout ce qui s'ensuit. Okay. Donc tu dois le secouer. Et qu'est-ce que je fais de mes vêtements ? Bah, vends-les, hein. Tu vas avoir besoin d'argent. En fait, c'est-à-dire que moi, je vais peut-être pas... Je voudrais les garder parce que je ne suis pas sûr de rester très longtemps sous les drapeaux. Très longtemps ? Ça veut dire quoi, ça ? Tu comptes faire quoi ? T'es à peine équipé, tu comptes foutre le camp ? Tu sais ce que ça vaut, ça, de foutre le camp en campagne ? C'est de la désertion. C'est la peine de mort. Je te conseille de rester avec nous. Ok, très bien. Où est-ce que je peux m'habiller ? Tu peux t'habiller à côté. Très bien, allons-y. La plupart de mes nouveaux compagnons sont des paysans souvent illettrés, venus de toutes les régions de France et des territoires annexés par l'Empire, y compris la Belgique. Depuis 1792, la France a connu plus de 20 ans de guerre. Et comme la conscription a été établie dès 1798, il y a eu 2 millions de conscrits entre 1799 et 1815. Mais contrairement à ce que l'on pense, les campagnes n'ont pas été vidées pour autant. Sous l'Empire, 7% de la population en âge de porter les armes est appelée sous les drapeaux. Durant la Première Guerre mondiale, ce sera 20%. Ah, Serge, j'ai reçu tout mon équipement, là. Vous êtes bien chargé. J'en ai partout. Je pose ça là. Oh. Je pense qu'il a dû se tromper. Il y a deux chaussures, mais c'est le même pied. Alors, il n'y a pas erreur, en fait. Il n'y avait pas de pied droit et pas de pied gauche, à l'époque. Ah, comme pour les moon boots. Exactement, mais parce que les jeunes paysans de l'époque, la plupart du temps, ne connaissaient pas leur droite de leur gauche, donc on mettait pas de pied droit, pas de pied gauche, comme ça, ça évitait les erreurs, d'une part, et en fait, ils les mettaient indifféremment, à droite ou à gauche. Bon.
Voilà. Bon, on va voir si... C'était conseillé qu'elle change de pied, comme ça il s'usait exactement de la même manière. Bon, j'espère que c'est confortable. Et j'ai ceci pour vous. Ah, le fameux bicorne. Voilà, qui viendra compléter votre uniforme. Merci. Votre uniforme d'ailleurs qui a dû, vu son odeur, être récupéré sur un cadavre à la bataille de Ligny. Ah, c'est sympathique. Alors vous avez l'uniforme, mais vous n'avez pas touché la solde. Bah non, on est payé. Oui, un fusilier touche 30 centimes de francs de l'époque. Moi, je suis grenadier. Vous êtes grenadier, donc vous touchez 5 centimes de plus et vous êtes en plus exempté des corvées régimentaires. C'est un corps d'élite, donc vous avez cette chance-là. En termes de salaire, il y a des inégalités, évidemment. Un maréchal touche en un jour ce qu'un fusilier touche en un an. Ah oui, on est très loin des rapports de 1 à 20 dans les entreprises publiques. Exactement. Mais les maréchaux prennent des risques. Ouais, alors, ceci étant dit, justement, vous serez payé après la bataille. Ah oui, parce que les morts ne réclament rien. Exactement. Est-ce qu'il y a des moyens d'échapper à la conscription ? Il y avait des moyens légaux d'échapper à la conscription. Donc, les conseils de recrutement, en règle générale, exemptaient les gens qui étaient malades ou infirmes, ou alors ceux qui étaient d'une taille trop petite, en dessous de 1m48. On ne pouvait pas être incorporé. Ah oui, c'est quand même très, très petit. Exactement. Alors, il y avait aussi un autre moyen légal. On pouvait se faire remplacer. Moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, on avait la capacité de se faire remplacer. Ceci étant dit, il y a eu tellement de pertes qu'on commence vraiment à la fin de l'Empire à incorporer, y compris les gens de petite taille, y compris les gens qui sont malades ou infirmes. Alors vous parliez de moyens légaux. Il y avait des moyens illégaux ? Il y a des moyens illégaux. D'abord, la désertion. On peut choisir de fuir, mais là, on prend des risques. Oui, il m'a expliqué que je risquais la mort. Exactement, c'est la peine de mort. Après, on pouvait se faire faire des certificats médicaux de complaisance. Comme à l'école. Comme à l'école, exactement. Et on pouvait aussi se faire de faux actes de décès, de faux actes de mariage. Il y avait beaucoup de possibilités administratives, entre guillemets, si on connaissait un maire, de se faire des faux actes. Les plus motivés, quand même, qui n'avaient pas ces possibilités-là, allaient jusqu'à la mutilation. Ils se coupaient le pouce. Et pourquoi le pouce ? Pour ne pas pouvoir se servir du fusil, ne relever le bassinet. Et les autres s'arrachaient toutes les dents pour ne pas pouvoir mordre la cartouche. Mordre la cartouche ? Oh Arnaud, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai besoin de toi, maniement d'armes. Désolé Serge, je crois qu'il faut que je vous laisse. Il m'appelle. Déchiré ! Touche ! À mort ! Serre ! Grenadier ! Porté ! Arme ! Chargez ! Ouvrez ! Net ! Messieurs ! Caporal ! Pardon, t'es un peu en retard. Oui, encore. Décidément, tu portes bien ton nom. Je vais t'apprendre les rudiments pour essayer de faire en sorte que tu survives le plus longtemps possible. Pour la charge en 12 temps ! Chargez ! Oula, pardon. Ah, c'est maladroit, grenadier, mieux vaut. Commence pas bien. Ouvrez. Net. Ouvrez le bassinet. Le bassinet, c'est ça. Voilà. Prenez. Push, qui correspond à prenez la cartouche. Tous les ordres sont abrégés. Corrige tes pieds et tu portes ta cartouche à la bouche. Une cartouche à la bouche ? Oui, tu vas devoir la déchirer. Ah, c'est pour ça que Serge me disait mordre la cartouche. Ah, d'accord. Ah, c'est ça ? Non, non, rien. Déchirer. Push. Voilà. Tu portes la cartouche à ton bassinet. À mort. C'est. Tu verses un peu de poudre noire dans ton bassinet. Les trois doigts de ta main droite. J'ai essayé de tout retenir, mais c'est. Oui. Mon fusil. Je vais le lâcher. Fermé. Net. Arme gauche. Tu fais un basculement. Oh là là. Non, ton arme est à l'envers. Voilà. Tu as toujours ta cartouche dans la main droite. Ah, j'ai toujours. Oui. Il faut en mettre là aussi. Je vois que tu te plains souvent. Cartouche. Non. Tirez. Guette. Comment, tirez comment... la baguette. Ah, la baguette. De la guette. Tu la bascules de cette manière-là. Bourrez. Une fois. Deux fois. Une fois. Deux fois. Remettez. Guette. Aïe, 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 aïe. Et tu remets ta baguette. Ça pique, hein. Avec ton petit doigt. Ah, voilà. Arrête de te plaindre. Il va falloir t'améliorer d'ici demain. On a mis la balle ? La balle est mise, elle est dans la cartouche. D'accord. Ah, elle est dans la cartouche ? Bien sûr. Ah, bah ça, je savais pas. Où tu qu'elle soit. Porte et... arme ! Ça ? Apprêtez ! Arme ! À ce moment-là, tu te fends
sans cogner le fusil de ton voisin. Le petit doigt de la main gauche doit être contre le ressort. Je vais jamais y arriver, là. La main gauche, ah oui, c'est celle-là. Mais fais-le. Ben, je le tourne comme ça, enfin, je comprends rien, là. C'est comme ça, tu fais exactement ce que je fais. Et comme c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le même sens que moi. Mon Dieu, c'est ta gauche de ta droite. Ah ben je sais, ma gauche de droite. Je sais que tu savais lire et écrire et tu connais pas ta gauche de ta droite. Bah si, mais c'est-à-dire que là, je vois pas bien. Corrige tes pieds, tu bouges tout le temps. Mm-hmm. Ta main droite ici. Voilà. Voilà. J'y suis. Voilà. On va y arriver. On a maté. Plus d'un. Des moins dégourdis que toi. Oh, joue. Tu penches vigoureusement ton fusil. Et je bascule en avant. Non, pardon. Donc monsieur avec un comique, on veut faire le mariole. À ce moment-là, tu attends lâcher. L'ordre de feu. J'aimerais bien qu'il arrive. Feu. Garde à vous. Porte et... Arme. Je vois que tu as quand même bien travaillé, tu es de bonne volonté. Alors... L'autre ordre que tu vas particulièrement apprécier, c'est le fameux ordre de « à la paille », qui veut dire « nous rompons les rangs ». Eh bien, avec plaisir, je veux. Quelqu'un peut vaquer à ses occupations, et notamment au nettoyage de ton arme et à l'entretien de ton arme. J'y vais de ce pas. J'espère bien. Les armes seront inspectées demain matin, grenadier. La paille, quand il y en a, sert de litière. Le fantassin passe une partie de son temps à nettoyer son arme. Les distractions sont rares. Lorsqu'on ne brique pas son fusil, il faut confectionner les cartouches. Attention danger, fumeur s'abstenir. Il y a là de quoi casser sa pipe. Il faut que je la nettoie parce qu'elle est pleine de rouille. Je vais me faire engueuler encore une fois. Ça commence à bien faire. Ah oui, il y avait la baguette aussi là. Oh là 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 là. Ah ça c'est... Il va être content, le caporal. Nickel, ça. Comment ça se remet déjà, cette histoire? Ah oui, merde. Allez, 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 allez. C'est vrai que j'ai fait ça toute ma vie. Bon, c'est pas mal. Mais je pense que c'était utile parce que c'est peut-être ce fusil qui va me sauver la vie. Excusez-moi, monsieur. Ah, voilà, mieux vaut tard. Je vais vous le présenter, les amis. Incorporé récemment. Bonjour. Allez, mieux vaut tard. Installe-toi. Mon arme, ça fait du bien, la puce est arrêtée. Allez. Tiens, bois un bon coup. Merci. Bonjour, bonjour. Arnaud de passage. La Prusse. La Prusse. La Fayette. La Fayette. Enchanté. Le Boiteux. Bonjour, le Boiteux. On s'est déjà vu, nous. Grenadier La Gerbe. La Gerbe. Caporal, je vous connais. Joli cœur. Joli cœur. Le Duc. Le Duc. Donc on a... Tout le monde a un surnom. Tout le monde a un nom de guerre, tout à fait. Tout le monde a un nom de guerre. Y compris toi. Je me suis nommé mieux vaut tard, messieurs. Oui, parce que je suis arrivé tout petit peu... Qui est arrivé quand on avait déjà passé la ville de Charleroi. Comme quoi... Ah, ça réchauffe. N'est-ce pas? C'est de l'eau de vie, en fait. C'est très... C'est bien, hein, parce que... Ça me remonte un peu le... C'est le moral, dur. Et puis ça... Et puis c'est un peu dur, non? Je suis fatigué, j'ai beaucoup marché pour venir, vous rejoindre. Ouais, ça t'a pas fini. Et j'ai pas fini. Mais on peut regagner ces batailles avec nos jambes, tiens. Et vous avez tous déjà fait la guerre? Vous avez fait votre première campagne? Ah, tu rigoles ou quoi? On est des grenadiers. Quelques des gens qui ont plusieurs années de service ici. La Gerbe, 15 ans de service. 15 ans de service? Un enfant de la Giberne, comme on dit. Un enfant d'officier. Qui a connu que les camps et les champs de bataille. Mais c'est normal que vous soyez avec des enfants? Les tambours. Les tambours sont toujours très jeunes, tout à fait. Il n'a pas l'air comme ça, mais en fait, il est redoutable. Ils sont redoutables. Moi, j'ai jamais fait la guerre. Je sais pas du tout comment ça se passe. J'imagine que c'est impressionnant. Je sais qu'on va apprendre. J'ai déjà commencé, mais... Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve sur le champ de bataille? On ressent rien. On sent rien? Tu exécutes les ordres. Et puis tu pries pour que... Le bon Dieu te prête vie une seconde fois. Mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Rien. Le tambour et le fifre communiquent sur toute la ligne les ordres, puisque il y a un tel bazar, un tel boucan, quand le brutal tonne, que la seule voix de l'homme ne suffit pas. Mais j'imagine que vous avez perdu aussi beaucoup de compagnons d'armes. Ça fait 10 ans, j'ai perdu énormément de compagnons. La compagnie
régulièrement réapprovisionner en hommes, tels que toi. On va essayer de te garder le plus longtemps possible. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Sinon, au mieux, ce sera peut-être une jambe de bois un jour, avec ton congé de réforme et une petite pension. Ah oui. Voire peut-être la croix. La croix, la... Qu'est-ce que c'est la croix ? La Légion d'honneur. Ah, la Légion d'honneur. Ah oui, ça c'est pour les soldats les plus méritants, ceux qui ont fait des... Tout à fait. Parce que... Enfin... À mon époque, enfin... À ton époque. Non, mais rien. Enfin, on la brade un peu. Ça a beaucoup changé, la Légion d'honneur. Et vous avez déjà rencontré l'empereur ? Le tondu ? Oui, une fois. Le tondu ? Oui, le tondu. Pourquoi vous l'appelez comme ça ? Le tondu, ce qui perd ses cheveux. Ah ! Le tondu ou le petit caporal. Mais il ne sait pas qu'on l'appelle comme ça. Oh, je pense qu'il en a déjà entendu parler. Et ses plus vieux soldats l'appellent le petit caporal. Le petit caporal, bien sûr. Ça, je connais. Le tondu, je l'ai vu une fois. Une fois à Austerlitz, quand j'étais dans le corps de Bernadotte. Je l'ai vu passer, rapidement, sur son cheval, suivi de son état-major, bardé de dorures. C'est impressionnant, j'imagine. Un regard d'acier qui te transperce. Vous lui êtes tous fidèles ? Bien sûr. Je suis surpris. Mes camarades peuvent grogner et rouspéter tant et plus. Ils suivent toujours l'empereur. Et certains éprouvent même de l'admiration pour un personnage qu'ils n'ont vu que de loin. Il faut dire que le tondu est proche de ses hommes. Il ne rechigne pas à visiter un bivouac, passe régulièrement les troupes en revue et n'oublie jamais le nom d'un soldat qui s'est distingué au combat. Ce paternalisme suffit à galvaniser ces grognards qui voient dans la gloire acquise sur les champs de bataille un moyen de s'élever socialement. Combien de maréchaux ne sont que des roturiers qui ont gagné leur galon sur les champs de bataille, comme Ney, fils d'un ouvrier tonnelier. Masséna, orphelin d'un petit commerçant, ou Murat, fils d'un modeste aubergiste. L'Empire, c'est l'ascenseur social au rythme des tambours. J'espère qu'il ne va peut-être pas y avoir de bataille. T'as pas vu les feux hier soir ? Les homards en ont fait. Nous, malheureusement, on a eu interdiction. Ils sont en place, ils sont retranchés. Les homards ? Les homards, les Anglais. Ah, les Anglais ! Ah, vous les appelez les homards parce qu'ils sont, ils sont tout rouges ? Bien sûr. Parce que moi, je les appelle les roast beef. Et, enfin, c'est pareil. Les comment ? Non, c'est... C'est rien. C'est joli, les homards. Il va falloir manger du homard. Ce sera pour aujourd'hui ou pour demain. Ouais, je suis prêt à manger du homard, moi. Eh ben, tant mieux. Allez, on y va, allez. Rassemblement, dépêche-toi. 40, 41. Dépêche-toi, allez, on n'attend plus que toi, nom de Dieu. C'est plus grand que moi. Allez. On t'a emporté armes, allez. Toute la compagnie est réunie. Nom de Dieu. Désolé. Pour mieux vaut tard, par la droite, comptez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Présenté. Oh. La huitième, toujours. En avant, en avant, en avant. Hop en avant. Caporal Lagaule, vous occupez les trois premiers là, et vous occupez particulièrement celui-là. Mieux vaut tard, c'est ça ? Mieux vaut tard, mon sergent. La journée du fantassin est rythmée par le son du tambour, du fifre et par les nombreux exercices. Charge. Les sous-officiers nous instruisent dès qu'ils le peuvent. C'est mou, on recommence tout de suite. Chargez ! Marcher au pas, en ordre serré, apprendre les positions de base et manier notre arme encore et encore. Un fusil de presque 5 kilos avec lequel je dois tirer 4 coups par minute. Un vrai défi. C'était pas mauvais, c'était très très mauvais. Toute l'armée est logée à la même enseigne. Les cavaliers et les artilleurs, comme les fantassins. Et je ne suis pas au bout de mes peines. Après l'école du soldat, voici l'école du peloton. Pour moi, ce sont les grandes manœuvres, ou presque. Pendant près de 2 heures, nous allons évoluer comme des automates.
tournez à gauche. Marche ! Lorsque l'infanterie se déploie sur le terrain, ce sont des centaines d'hommes qu'il faut faire marcher en ligne, au pas ordinaire, accéléré ou au pas de charge. Pendant la bataille, il faudra progresser et tirer au coude à coude sous le feu ennemi. Quoi qu'il arrive, nous devrons conserver notre cohésion et obéir instantanément au commandement des sergents. J'ai du mal et je m'imagine dans l'atmosphère infernale des combats. Les officiers gueulant leurs ordres, les roulements de tambours, le sifflement des balles et la peur qui doit vous tordre les boyaux. Ah oui, caporal, je comprends maintenant pourquoi l'importance d'avancer en ligne, c'est pour la bataille en fait. Oui, bien sûr. Les hommes doivent absolument rester alignés et serrés. Il ne doit jamais y avoir d'écart entre deux hommes, sinon toute la ligne est creusée. Ça représente une position très dangereuse ensuite pour l'infanterie, puisqu'elle peut se faire immédiatement sanctionner par la cavalerie. Adverse, et donc elle peut rentrer dans les lignes, et donc il faut toujours refermer les rangs. Exactement. Mais les manœuvres sont pas aisées parce qu'il faut. Non, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on s'entraîne très régulièrement et c'est pour ça qu'effectivement tous les mouvements doivent se faire de manière très lente parce que l'important c'est de rester aligné et serré. Nous sommes des régiments de ligne, on se bat en ligne, on porte bien notre nom. Et vous ne courez jamais ? Jamais. Ne défait jamais les rangs. Si on court, c'est dans le mauvais sens. Et là, c'est avec moi que t'as à faire. Nous voilà repartis pour une bonne heure de marche. Le fantassin napoléonien avale les kilomètres, entre 20 et 48 par jour. Arrivés au camp, les fricoteurs s'échappent pour aller marauder. Pour améliorer l'ordinaire, nous vivons sur le pays. Nous sommes une armée de voleurs de poules, terriblement querelleurs. Dans nos rangs, le duel est une véritable institution. Et quand on ne marche pas, il faut se battre, ou bien faire les corvées. Qu'est-ce que c'est ? Du sang de cosaque. Du sang de cosaque ? C'est très bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Très fort et ça pique un petit peu. Ça pique un peu ? On dirait qu'il y a du piment. Oh, du sang, un petit peu. J'ai la bouche en feu. Bah, je vous le rends. Ah, ça pique quand ça rentre, mais ça pique quand ça sort. Donadier, mieux vaut tard ! Oui, caporal. Pour la soupe de ce soir, je vois que t'es en train de giberner. Va me chercher un peu d'eau le long de la chaussée à 500 mètres. Il y a un ruisseau. Tu me remplis le bouteillon. Très bien, caporal. Pardon. Mais il est où son ruisseau, là ? On peut plus de marcher. Enfin de l'eau. Ouh là 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 là. Oh, il y a une drôle de couleur, mais ça fera l'affaire. Allez. Ouah. Bon, maintenant il faut rejouer en monte. Ah, Arnaud. C'est Serge. Ah bah vous tombez bien. Ah, essayez de nous aider. Merci. Merci. Venez avec moi. Ravi de vous voir vivant, Arnaud. Bah, c'est gentil, mais enfin, je ne me suis pas encore battu. Mais ça ne va pas tarder, malheureusement. Oh, en tout cas, j'ai passé une journée, d'abord extrêmement longue, j'ai l'impression d'avoir passé deux jours, et très harassante, beaucoup marché. C'est normal, la Grande Armée est une armée de marcheurs. D'ailleurs, tous les paysans d'Europe, à cette époque-là, se déplacent en marchant. Mais c'est une spécificité pour Napoléon. Une armée très mobile. Oui, la mobilité, faire en sorte de pouvoir déplacer ses troupes et de les mettre, les faire livrer bataille à l'endroit choisi par l'empereur lui-même. Et c'est une armée qui a fait déjà beaucoup de chemin. Qui a traversé l'Europe en long, en large et en travers, comme on peut dire, qui est allée aussi jusqu'en Russie, 2500 km aller, 2500 km retour, et qui régulièrement, d'ailleurs, sur le trajet, se bat dans des conditions effroyables. Cette armée va même tellement vite que les convois de ravitaillement ont du mal à la suivre. Évidemment, c'est toujours l'artillerie qui a la priorité sur les convois de ravitaillement. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert en m'entraînant.
ces fameux combats de ligne. Alors je fais partie de l'infanterie de ligne et j'ai compris pourquoi ce mot. C'est vraiment une ligne très serrée, on est épaule contre épaule et on forme un véritable mur. Un véritable mur, oui, c'est une tactique héritée finalement des hoplites de l'Antiquité grecque. C'est-à-dire on va opposer une véritable masse, un rempart d'hommes qui ne doit pas se désagréger du tout et donc il y a une cohésion véritablement dans la ligne. Même quand un boulet vient pour tuer 5-6 hommes, eh bien la ligne va absorber le trou, tout de suite, on reforme les rangs pour faire en sorte de toujours opposer cette masse qui fait peur à l'infanterie adverse, d'une part. Et à la cavalerie. À la cavalerie également, parce que quand on se retrouve devant un mur d'une centaine d'hommes prêts à décharger leurs fusils, quand on est cavalier, on se pose quand même un petit peu des questions et on va éviter ou on va rebrousser chemin. Et combien y a-t-il eu de morts pendant toutes ces campagnes napoléoniennes ? Entre 1798 et 1815, il y a eu à peu près 580 000 soldats français qui sont morts. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est nettement moins que pendant la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, c'est-à-dire en 4 ans seulement, il y a eu 1 500 000 morts. Malheureusement, il faut que vous retourniez à votre escouade. Ah, c'est vrai, il faut que je leur apporte de l'eau. Demain, c'est la bataille de Waterloo, mais sachez que je veillerai sur vous. Et je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je veux revenir vivant. Hein. On se retrouve après la bataille. Au revoir, Serge. Bonne soirée, Arnaud. Merci. En cette veille de bataille, la majorité des soldats français n'a rien mangé depuis 2 jours. Certains ont déterré des raves qu'ils ont dévorées crues. Comme moi, les plus chanceux auront droit à une drôle de soupe. Une distribution providentielle d'eau-de-vie mettra du baume au cœur, c'est tout. Quand il y a quelque chose à cuisiner, les hommes font la cuisine. Mais il y a aussi des femmes sur le bivouac, alors que les soldats ne peuvent pas se marier sans permission ou faire suivre leurs épouses durant les campagnes. En fait, cantinières, vivandières et blanchisseuses sont des civils contractés par l'armée. Les cantinières vendent des comestibles. Mes compagnons racontent que certaines sont devenues célèbres, comme Madame Dubois ou la mère Eugénie, qui ont fait toute la campagne de Russie. Les vivandières fournissent des vivres et des petits objets, du papier à lettres, des lacets, des boutons et la sacro-sainte eau-de-vie. Les blanchisseuses nettoient les chemises, les caleçons, les mouchoirs et les guêtres. Le maire, petit, présent, va attendre la fin que le rappel s'est abattu. Lorsque ce sera fait, vous irez vite chercher vos affaires dans vos tentes. Vous revenez ici, vous alignez. Et à l'ordre, on ira manger. Cinquième escouade, à moi ! Les bureaux d'administration de la guerre sont censés régler la distribution des vivres en temps de campagne. Mais ces services sont trop corrompus. Les fournisseurs trichent sur la marchandise et le nombre de fourgons est trop faible pour permettre aux vivres de parvenir régulièrement jusqu'aux troupes. L'armée impériale marche décidément trop vite et le ventre bien vide. Et qu'est-ce qu'il y a dans la gamelle, on ne sait pas. Parfois, il vaut mieux pas savoir. D'accord. Messieurs, on va passer à la soupe, à la paille. Allez-y, messieurs. On n'a pas de gamelle ? Ah non, les escouades mangent au bouteillon. Au bouteillon. Donc, on se passe tour à tour le bouteillon, chacun sa cuillère. Et moi, en tant que caporal, je veille que tous les hommes mangent bien tour à tour et je mange en dernier. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, de l'eau, quelques légumes. On a eu de la chance, la compagnie de grenadiers a maraudé un peu. On a trouvé un peu de viande, tu vois, quelques morceaux de viande dedans. Attention, tu as oublié, on n'a plus de sel, malheureusement. On va donc agrémenter, vous êtes d'accord, messieurs ? Ouais. Comme en Espagne, on agrémente avec un peu de poudre noire de cartouche. De la poudre noire de cartouche ? Oui. Ah, c'est salé. Ah, c'est salé. Ça donne un petit goût salé. Ça craque sous les dents. Ouais, attendez, je vais les vieilles moustaches utilisent ça pour... Ah, c'est bizarre. ...donner un peu de goût. Je vais... me servir. Vas-y, serre-toi. Parce que là, j'ai un peu faim. Allez, dépêchez-vous un peu. Ouais. Allez, une dernière. Ouais, prends-en encore une. Bah oui. Allez-y, messieurs, régalez-vous, allez-y. Vous en aurez besoin. Et les officiers sont logés à la même enseigne Les officiers subalternes, exactement. Les officiers subalternes, jusqu'au grade de commandant, sont logés à peu près à la même enseigne. Ils vivent avec leurs Ils hommes. Ils vivent avec leurs hommes. Au milieu de leurs hommes et partagent l'ordinaire de leurs hommes. Dis donc, grenadier défroqué, t'as déjà eu ? Une cuillère à la fois, moustache a sauté son tour.
Ah, caporal, je suis tombé sur Mieux vaut tard, regardez ça, la pêche a été bonne pour mieux vaut tard. Allez, allez, profites-en. Allez, j'en profite. Allez, allez. C'est la chance du nouveau, caporal. Ouais. Je le pense aussi, on a dit la fraise. Ouais. Papa, allez, papa, il y a un gros bout, là. Fais une bosse, comme on dit. T'es au premier rang ou au deuxième rang? Il a bien petite mine. Il passera pas la nuit. Non, hein. Je vais m'étouffer. C'est t'as été trop gourmand. Faire une bosse? Faire une bosse, c'est faire un bon repas. Ah, bah voilà. Hein. Mais ah, c'est de la viande un peu... fait exprès. Un peu dur, hein. Oh là là, le discret. Ah ben voilà. Ah, voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose à boire? On a du rouge. Ah bah, je prends. Merci beaucoup. Quelqu'un veut encore un petit coup de vin? Quand même content d'être avec vous. Eh bah écoute, tu vois mieux vaut tard. J'ai une boulette. T'es un intellectuel, mais le reste, tu vas l'apprendre sur le terrain à notre contact. Et regardez, messieurs, ce que votre caporal a acheté à la cantinière La Prune. Ah. De l'Armagnac bien de chez nous. De l'Armagnac? Eh oui, c'est fait aujourd'hui, mieux vaut tard. Oh, c'est très bon. Merci, caporal. Quel torboyau. Où allez ce soir, caporal? On ne sait pas. Ordre est donné à tous les grenadiers de prendre armes et bagages et on continue vers le nord. J'ignore la destination et j'ignore les plans du tondu. Oui, on va sans doute marcher pour des capucins, comme le 16. Mais le tondu le veut, donc on le fera. Arrêtez de grogner. Ah oui, les fameux grognards. Moi aussi, je râle souvent, hein, c'est vrai. C'est mieux dans l'infanterie. Hein. Ah oui. Le cavalier parle à son cheval, l'artilleur est sourd, le fantassin grogne. Le fantassin grogne. Pendant que les soldats français se serrent le ceinturon, les Anglais et leurs alliés font bombance. Le 15 juin au soir, Wellington participait même à un dîner en ville. Bientôt, ce sera la mort qui mènera le bal. Comble de malchance, la pluie se remet à tomber. Je plains tous ceux qui vont dormir dehors ou sous un abri de fortune. Demain, ils seront mouillés jusqu'à l'os. Le soir venu, Napoléon consulte ses cartes. Il ne veut pas forcer son adversaire à la retraite. Pendant que l'un de ses maréchaux, Emmanuel de Grouchy, tient les troupes prussiennes à distance, l'empereur veut écraser l'armée de Wellington et obliger nos adversaires à se mettre autour d'une table pour négocier. Il prévoit un assaut frontal pour rompre la ligne adverse. Mon régiment va devoir attaquer en marchant sous les boulets et la mitraille pendant plus d'un kilomètre. Alors, caporal, qu'est-ce que vous pensez du nouveau? Mieux vaut tard. Il est plein de bonne volonté. On arrivera peut-être à lui faire tenir sa place dans notre belle compagnie. C'était pas gagné, non? Non, c'était pas gagné. Merci, caporal. Dis donc, quel orage ce soir? Quel orage, hein? Quel foutu métier. Faut-il pas aimer le tondu pour le suivre jusqu'ici? Et peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, vous continuez quoi qu'il arrive. On n'a pas le choix, hein? Oh, ça fait du bien de se réchauffer un peu. Mais je suis très très fatigué. Est-ce que, caporal, je peux aller me reposer? Ton habit est suffisamment sec? Oui, ça y est, je crois, oui. Alors, va. Merci, caporal. Allez, bonne nuit, mieux vaut tard. Bonne nuit. Le tambour te réveillera. D'accord. À dormir. Entrez, dans l'habitude. Ah, je suis très fatigué. Et j'ai mal aux jambes. Ça va, vous? Ça va. Ça sera encore pire tout à l'heure. Ça sera pire tantôt. Ah bon? L'empereur, il gagne la bataille avec nos jambes, pas avec nos bras. Oui, j'ai bien compris. Ah, pardon. Mais pas trop près du mur parce qu'il faut encore charger les cyber. Pardon, caporal. Pas bien réveillé, en fait. Oui, mais il va falloir. Il va payer une bouteille aussi. Oui, il va payer une bouteille. Pardon, excusez-moi.
Présent. On bassinet est sale, Grenadier. Il va falloir le nettoyer. Et ça s'appelle une épinglette. Une épinglette. Parce que sinon, tu fais ce qu'on appelle dans le jargon du soldat un long feu. Ton silex tape ici. Ah oui, faire long feu. L'étincelle se produit. La poudre qui est dans le bassinet se consume, mais ne passe pas dans le canon. Ton silex est dans un état correct. Et vu l'orage, la rouille ne l'a pas trop attaqué. Merci, camarade. Ils sont bons. Silex, le retard, silex de rechange. Un silex de rechange. Est-ce que tu en as un? Ah non, j'en ai pas. Avis. On va en avoir un ici. Ah, j'en ai un là, je l'avais pas vu en fait. Oui, bah ça, il est bien. Et oui, il est là, bien sûr. Je vais mettre un dans la poche de ton habit, tu vas voir. Très bien, ça se fuse très vite. On va vous charger, les enfants. Bordez. Oh. Avec la distribution des cartouches, je prends soudainement conscience que l'affaire est sérieuse. D'ailleurs, mes camarades ne sont plus du tout d'humeur à rire. Nous n'aurons pas une tranche de pain, mais la poudre a été gardée au sec. Pour ma part, ce n'est pas très grave. Je ne pourrai rien avaler. Nous sommes le matin du 18 juin et la grande armée se met en place. Il a cessé de pleuvoir, mais les chemins sont encore détrempés. L'empereur est parvenu à coordonner parfaitement la progression des troupes. Ce sont des milliers de fourgons transportant vivres et munitions qu'il a fallu faire avancer coûte que coûte. Et près de 300 canons à tirer sur des chemins défoncés par les pluies torrentielles. Il y a là plus de 10 000 cavaliers et près de 60 000 fantassins. Nous avons tous un rendez-vous avec l'histoire, dans les plaines au sud de Bruxelles, sur le territoire des communes de Braine-l'Alleud et de Waterloo. Pour parvenir jusque-là, le 8e régiment de ligne dans lequel j'ai été incorporé a parcouru des centaines de kilomètres. Je ne peux pas m'empêcher de penser que pour nombre de mes camarades, cette marche sera la dernière. Napoléon croit que cette bataille sera l'affaire d'un déjeuner. Il se trompe. Les forces françaises prennent position à environ un kilomètre au sud du Mont-Saint-Jean. À l'ouest de la route Charleroi-Bruxelles, le 2e corps de Reille précède le 3e corps de cavalerie de Kellermann et la division de cavalerie de la garde de Guyot. À l'est de la route, le 1er corps de Drouet-d'Erlon, dont fait partie le 8e régiment d'infanterie de ligne, précède le 4e corps de cavalerie de Milhaud et la division de cavalerie de la garde de Lefèvre-des-Nouettes. En arrière, le 5e corps de Lobo, les divisions de cavalerie de Daumont et de Subervie, et 3 divisions d'infanterie de la garde. Napoléon n'a qu'une très légère supériorité numérique, mais son artillerie est beaucoup plus nombreuse. Il fait déployer 80 canons, la grande batterie, devant le 1er corps. De son côté, Wellington a déployé son armée sur le plateau du Mont-Saint-Jean, de part et d'autre de l'axe Charleroi-Bruxelles. Mais la plupart des unités sont invisibles, cachées sur la contrepente. Le dispositif est renforcé par 3 points d'appui, constitués de grosses fermes barricadées, Hougomont, La Haie Sainte et Papelotte. En tout, Wellington dispose de 84 000 hommes, prêts à en découdre et sérieusement retranchés. À 11h30, les premières salves d'artillerie brisent le silence fragile de cette matinée de juin. La bataille commence. Allez, mieux vaut tard, regarde par terre. À 13h30, le 1er corps de Drouet-d'Erlon, dont fait partie le 8e de ligne, monte à l'assaut des positions anglaises. 4 divisions d'infanterie progressent ensemble. Dans un peu plus d'une heure, 5000 hommes seront morts. Après une nouvelle préparation d'artillerie, le 1er corps se réorganise et remonte à l'attaque. Les Prussiens de Blücher ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Pour remonter le moral des soldats, Napoléon fait annoncer que des renforts approchent. Dans quelques heures,
en apercevant les tenues des soldats de Blücher. Ces fidèles grognards penseront avoir été trahis. Ney croit que l'armée anglaise est en déroute. Il s'élance à la tête de plusieurs milliers de cavaliers. Les Français pensent trouver une armée en pleine débâcle. En fait, pendant plus de 2 heures, ils vont se heurter aux carrés impénétrables de l'infanterie britannique. À 16h30, les Prussiens débouchent sur le champ de bataille. Ils attaquent vers Plancenoit. Napoléon est face à une menace mortelle. Il risque d'être débordé sur son flanc droit. Sur le front principal, la bataille continue de faire rage. Les attaques françaises se heurtent toujours au carré britannique. Ney commande la 10e charge de la journée. Depuis le début de la bataille, 5 chevaux ont été tués sous lui. Plancenoit tombe aux mains des Prussiens. Pendant 1 heure, cette position va être l'objet d'âpres combats. Napoléon n'a plus guère de réserve. Grâce à l'arrivée des Prussiens, Wellington peut déplacer des troupes pour renforcer son centre qui était sur le point de craquer. Les Anglais tiennent. Ils ne reculeront pas. Dans les rangs français, les désertions se multiplient. Des milliers de cadavres, d'hommes et de chevaux jonchent le champ de bataille. À 19h30, Napoléon fait donner la garde, mais il est déjà trop tard. Ses valeureux soldats se font tailler en pièces et refluent. La garde impériale recule. C'est le signal du sauve-qui-peut. Certaines unités se débandent. La panique gagne l'ensemble du front français. C'est la déroute totale. Arnaud, je vous avais dit que vous alliez survivre à cette aventure. Un vrai baptême du feu. Voilà. Je vous ai ramené d'ailleurs un petit souvenir. De la poudre noire. J'en ai partout. C'était infernal. Évidemment, j'en ai avalé en éclatant la cartouche avec les dents, mordant la cartouche. J'ai l'oreille en feu parce que j'avais mon camarade d'à côté qui tirait et qui évidemment m'envoyait des résidus de poudre. L'œil. J'ai essayé de tirer un certain nombre de coups, alors peut-être pas 4 coups par minute, mais j'ai fait ce que je pouvais. J'étais perdu, hein, pour vous dire la vérité, c'était... Vous voyez quelque chose dans la bataille ou pas du tout? Non, j'ai suivi vaguement les ordres du caporal, j'entendais mon capitaine, mais je comprenais rien de ce qui se passait. Le bruit aussi? Et beaucoup, beaucoup de bruit. Hein, évidemment, un vacarme, vous êtes vraiment gêné par la fumée, avec toute cette poudre, les coups de canon. Donc vous ne voyez rien, vous vous collez vraiment, vous vous serrez en ligne. Tout d'un coup, on me dit de reculer, je sens que c'est un peu la débâcle. Et puis j'ai vu les hommes partir un peu à droite, à gauche. Et surtout, j'ai pas compris exactement ce qui s'est passé. Les raisons de la défaite sont toujours sujettes à polémique. Ce qu'on peut dire de sûr, c'est que l'arrivée des Prussiens était une très très mauvaise surprise pour l'empereur. Il attendait Grouchy, il a eu Blücher. Le maréchal Grouchy qui n'est pas venu. Il a eu Blücher et les troupes prussiennes qui sont arrivées sur son flanc et qui ont commencé à tailler en pièces l'armée française, qui a commencé à refluer. Les soldats étaient très fatigués, comme vous le savez. Ils étaient aussi affamés. À un moment donné, le moral a craqué et ça a été le début de la débâcle, véritablement.
Combien y a-t-il eu de morts pendant la bataille? Ça aussi, c'est assez sujet à caution. On pense entre 20 000 et 30 000 morts, mais il y a eu beaucoup de désertions, beaucoup de disparus également. 20 000 chevaux sont morts. L'empereur a perdu 280 canons, la totalité de son artillerie. Donc ça a été véritablement une boucherie. Et cette défaite à la bataille de Waterloo sonne la fin du Premier Empire. Oui, c'est la fin du Premier Empire. Dans quelques mois, l'empereur Napoléon Ier va abdiquer. Les Anglais vont l'envoyer à Sainte-Hélène et cette fois-ci, il ne pourra pas s'évader. Il y mourra dans 6 ans, en 1821. Et que vont devenir ses troupes? Alors qu'il est, le prince Jérôme, frère de l'empereur, est en train de rassembler les troupes, de les organiser pour faire retraite sur Paris. Mais les Prussiens sont à leur trousse, la consigne c'est pas de quartier. Donc je vous conseille aussi de prendre la route de Paris très rapidement. Ben, c'est une très bonne idée et je suis pas mécontent, pour vous dire la vérité, de revenir dans notre époque en temps de paix. Au revoir Serge, merci. Au revoir.